DJ Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo La Fachi Beton Tangwe Koki yo 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 Tangwango yango yo ye koki Tolanda Kango Papa Stéphane Balamwange Oye ye Bien, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes encore en direct pour vous informer quant à l'actualité qui se vit dans la ville et la province de Kinshasa. Nous sommes aujourd'hui les mardis, n'est-ce pas, 22 octobre 2024. Petit à petit, l'année est en train de prendre, notamment la fin, vers la fin de l'année. Bientôt, dans quelques jours, nous allons atteindre le mois de novembre, un mois très déterminé et très engagé. Je suis monsieur Mara Bobola, votre défenseur de vos intérêts, défenseur des intérêts de la République, défenseur notamment des droits du peuple congolais, mais également de la souveraineté de notre pays. C'est encore un grand plaisir de nous retrouver encore devant vous afin de vous informer et de vous donner les communications dans la ville et la province de Kinshasa, sur toute l'étendue de la République, mais pourquoi pas sur toute l'étendue de l'Afrique. Cette fois-ci, parce que nous parlons de l'Afrique, nous allons aussi essayer un peu de parler sur l'actualité qui va sévir, en dehors de nos frontières. Alors, là, Tozali Kosolonabino, Makamboza Kolekanabongo, na Kinshasa, na République démocratique du Congo. Nous sommes dans la partie est de la République démocratique du Congo. Monsieur Kagame ne cesse toujours de ne pas avoir l'idée de céder, alors de chercher à combattre naïvement et parfois bêtement la République démocratique du Congo. Monsieur Kagame a encore fait une autre déclaration. Après la prise ou la reprise, notamment de la ville de Kalembe par le FRDC, Monsieur Kagame se dit prêt à continuer les combats pour la paix de ces régions occupées. D'après une source de formation, M. Kagame a lobbyé que Yazali prêt pour continuer le combat Yaba M23 na yaba militaire naye afin de protéger la zone naye où Yazali occupé. Parce que la localité de Kalembe, là nous sommes dans les territoires de Walikale, dans la province du Nord Kivu, auprès du gouverneur Chirimwami, M. Paul Kagame a lobbyé que ako abandonné combattre. Même ata le FRDC, en collaboration avec le Wazalendo et quelques groupements de Maïmaï, Oyo Bakei pour ako frapper M23, va récupérer alors ce qu'on appelle la localité de Kalembe. Mais c'est Kagame a lobbyé que yé akotika litité. Akotika mabele Oyo Yoba M23 bazali ko conquérir te. Ezali ba espace rwandais, ezali ba sol rwandais, ezali ba terre rwandaise, alors azali prêt pour na ko abandonner. Et il s'est dit être prêt pour na ko continuer combat. Au moment où biso na Kinshasa, au moment où il y a des infiltrés dans l'Assemblée nationale, de jeunes gens qui se disent être des députés nationaux, des sénateurs, bazo infiltré biso. Tozoti kaba infiltré biso. Bah, député national et belé bah, en assemblée nationale, voilà, pour la plupart, et belé bah, bah, député national. Avec ma information, tozui. Mais c'est Kagame a lobbyé que, aza akoti ka combat oyote. Ça veut dire que, échec, il y a M23, dans la localité à Kalembe, pour na Kagame, et Zali Bongo, une façon, il y a qu'on motive Elisusu à continuer combat. Est-ce que Kagame a zana ma belé na Congo? Est-ce que Kagame azali mabele na Congo? Est-ce que Kagame azali atana mai? Même ata boukal, bouteille ya mai, est-ce que Kagame azali nango? Chers compatriotes, voilà les FRDC, basali moussala ya makasi. Mais c'est Kagame, alors bien que quelle que soit la récupération ou la reprise de contrôle, ya localité ya Kalembe dans le territoire de Walikale, mais c'est Kagame alors bien que Azali prêt pour continuer le combat. Jusqu'à ce que, primo, il faut protéger l'espace où Azali y a Rwanda, où il y a M23, Azali Bongo Koluka Kokipe, Bazana Bunagana, Azali na Kichanga, Azali na Rubaya,
et puis awa lobby bazwa ki bongo localité ya Kalembe na territoire ya Walikale Kagame a lobby que ba espace wana nyoso ezali ya Rwanda quel que soit que FARDC a récupéré mabele wana Kagame a lobby que ye aza ko continuer combat. Est-ce que Tshisekedi azo sala erreur pendant que lobaye que Kagame aza sanguinaire? Est-ce que chef de l'État tango aza ko boya ko solana M23? Est-ce que ezali option ya malamu? Tango chef de l'État aza ko traiter Kagame lokola sanguinaire, lokola vampire? Est-ce que chef de l'État azali ko commettre erreur? Chers compatriotes, nezali ba question o nga naza ko tuna. Maman Sophie Kiboba, est-ce que tant au chef de l'État a lobbyé que a consolé na ba M23 te? Parce que les M23 ce sont des Rwandais. Au sein du M23, apparemment, en réalité les M23 n'existent pas. Ce qui existe, ce sont les Rwandais qui se sont métamorphosés, qui se sont dilués au sein du de militaires de Rwanda. Et Kagame a lobbyé que yé aza ko continuer combat. Mais yoza en Afrique du Sud. Yoza ko la nabiso. Maman Mélanie oza na Canada. Maman Mélanie oza na Canada. Yoza ko la nabiso. Maman Sophie Kiboba, maman Dipo Esabe, la présidente de Congo Innovation Sociale. Oza ko la nabiso maman Dipo. Mais tala makambo Kagame lobi pour la mabele nabiso. Tala makambo Kagame lobi oza na États-Unis. Tango za ko kota na ba chaîne ya information au koti na tango koki au tali information à être RTNC au tali télé 50 au koti na Google au koti na information na ba réseaux sociaux partout. Mais yoka makambo Kagame a déclaré pour na mboka na yo. Kagame a lobbyé que quel que soit que le FARDC ba récupérer localité ya Kalembe, Kagame a koti ka combattre. Max KBC, est-ce que tranquillité za kuna? Vous allez assurer par la technique na jeune Nabiso Max Kabisi. Le jeune technicien au Mikoloyo, Stéphane Balamon Yazako Foula et Mikoloyo, Malem est toujours préparé déjà, tout formé. C'est lui qui nous aide à travers notre chaîne, la technique de Tango Koki. Ça, c'est notre premier sujet. Ce qui est aussi l'issuana, Yamona Zong Alissou na sujet où il y a déclaration à Kagame. Ndenge FARDC a récupéré localité à Kalembe. Kagame a sipelite. Kagame salie mouté ma passi. Kagame a kouki ko li ate. Moi si a Kagame a servi e bilo kwa ko li a. Kagame a loubye ki a okoka ko li ate. Moi na ya Kagame a souka. A ye a solisa ye. Kagame a boy ko solana ye. Babo kilo ya Kagame. Ba ye na nako ya Kagame. Po ba solana ye. Kagame a loubye ki moi ya solana bango izate. Pourquoi? Parce que Kagame a yo kie ke ba récupérer localité ya Kalembe. Na kozonga na sujet wana, comme ça ko permettre biso to kota na deuxième sujet na biso et puis to chiter na troisième sujet. Alors, bonne nouvelle pour la compagnie nationale aérienne Congo Airways. La compagnie nationale aérienne Congo Airways va bénéficier de deux avions. Deux avions, notamment le premier avion qui arrive le 7 novembre. Ça sera un Boeing 737-800. Et le 10 au 8 novembre prochain, la compagnie nationale, votre compagnie, selon laquelle, quand vous voyagez, vous avez le plaisir de voyager, va recevoir encore un autre avion du marque des Airbus A319. Sous le leadership éclairé du directeur général AI d'intérim, M. Norbert Sengamali, la compagnie nationale Congo Airways réceptionne alors deux avions. Et en attendant que deux autres moteurs puissent aller en Tchèque, afin qu'elles puissent revenir et un autre va partir et Congo Airways va être désormais relancé. Ça veut dire que Congo Airways va pouvoir relancer le projet de relance que le chef de l'État a toujours adopté à travers M. Norbert Sengamali. Maman Judith Soumina continue la tournée na niveau ya espace ya Belgique. En entendant que le chef de l'État qui a annoncé na niveau ya Kisangani pendant que kende ko inaugurer aéroport de Bamboka. Le chef de l'État est attendu demain mercredi
demain mercredi le chef de l'État à cause à la bongo na Kisangani. Le Seigneur liba surveiller province ya Tchopo Malamu. Parce que la guerre de 6 jours risque alors ya ko se répéter kuna. Parce que M. Kagame azakola laté. Partout le chef de l'État azakoleka. Kagame azakola laté. Alors, ils arrivent à siger. Oyo, tokome kampe kosurana bino. Permettez-moi, chers compatriotes, de vous souhaiter ce qu'on appelle le bienvenue Nathan Mekoke. Est-ce que Max Nako Melamai? Nako Melamai, merci beaucoup. Bien. Alors, Kagame Azakolala, Azakola Mukande Balobakake, Sombele Sukabisanga, Bolobo Sukengbele, Boato etambolaka likolo ya mai. Mbinzo akoya akana nzete na ye. Mbinzo akoya na nzete ya mbila te. Mbinzo akoya akana nzete ya manga te. Mbinzo akoya akana nzete ya safu te. Mbinzo akoya akana nzete ya aubergine te. Mbinzo akoya akana nzete ya lilala te. O biso tumenga anekwate ndimu. Mbinzo akoya akana nzete na ye. Na mboka na biso wabenga ngobo binzo. Ah, kokola na mboka pe za l'arabia. Kokola na mboka za bien. Alors, Kagame alobye ke, mikolele ki, bolandi ango na ma information, la localité de Kalembe. Là, nous sommes dans la province du Nord Kivu, dans les territoires de Walikale. L'ensemble des territoires de Walikale, l'ensemble de la localité de Kalembe, cette localité a été prise sous le contrôle du M23, malgré qu'il y avait ce qu'on appelle le cessez-le-feu. Bango balobie ki bako respecter cessez-le-feu te. Bango balobie ki makaba cessez-le-feu tali bango te. Ba américain ba yebisa bango ke bo observer cessez-le-feu tali bango te. Bo observer trêve humanitaire et tali bango te. Alors le M23 bango bazali ko obéir kaka na ba ordre ya nani ya chef rebelle na bango monsieur Kagame. Kagame, quel qu'il soit qu'il a été élu, le président de la République, quel qu'il soit qu'il a organisé les élections en acceptant, en se donnant un chiffre d'être voté par 99,9%, Kagame a accepté de continuer la rébellion sur le sol d'un pays étranger. Ça veut dire que la situation qui se passe, qui se déroule dans la partie Est République démocratique du Congo, Kagame en est le chef rebelle. Ça veut dire que Kagame est rebelle en 21e siècle tout en restant dans son pays, mais il continue à créer la rébellion dans un autre pays en violation des principes, il y a intangibilité, il y a intégrité territoriale, il y a République démocratique du Congo. Est-ce que je me fais comprendre? Ça veut dire que Kagame attend Ndenge Azali Obabengaka chef de l'État. A ou te organise ben l'élection awa. Mais Kagame a l'obie ke, ngay na koti kama kamboya kongote. Ngay liwana ngana kongote zo kende ensemble. Kagame mkola kokufa, na yena serkei na karte a Kongo, bakoti ango na karte a serkei a Kagame. Dans le serkei de Kagame, on va mettre la carte de la République démocratique du Congo. Comme ça, Kagame sera enterré avec la carte de la République démocratique du Congo. Comme ça, il va partir en paix. Aussi longtemps que Kagame n'a pas encore obtenu ce qu'on appelle la balkanisation, Kagame, il ne se retrouve pas. Kagame ne se voit pas comme un président de la République. La localité de Kalembe, nous sommes dans la province du Nord Kivu, a été occupée sous le contrôle du M23. Bravo à nos FARDC, l'armée régulière, l'armée la plus puissante d'Afrique. Les FARDC se sont bâtis en appuyant ce qu'on appelle les Wazalendo. Les FARDC ont récupéré la localité de Kalembe. Encore une fois, bravo à nos FARDC. Coup de chapeau à nos militaires. Coup de chapeau à nos militaires. Malgré le peu de moyens, Oyo Toza Kozoa. Malgré ba moyens Oyo Toza Kozoa Yamke. Mais Tozali Kobunda jusqu'au sacrifice suprême. Pour nakoluka ko défendre l'intégrité territoriale Yambo Kanabiso. Yango moni Kagame azangi kimia. Tango ba yebisi Kagame ki na information. E pa na chef ya opération. Oya zala ki ya M23.
azali ko contrôler cité ya Kalembe localité na territoire ya Walikale ba informer Kagame ke awa situation ezali débadante ba ligne yo surtout ezali ko kende ndenge tozabo moyen ezati. Alors il nous faut céder parce que nous recevons la pression de la part ya banani ya ba wazalendo. Bravo encore à nos wazalendo. Bravo encore à nos wazalendo pour un grand travail. Oh ba wazalendo baza ko sala na partie à est ya République démocratique du Congo. Nous devons les applaudir. Ces wazalendo là to peteli bango li sous vraiment maboko. Ba wazalendo en tout cas bravo à vous musala boza ko sala. Si le Congo avait des wazalendo partout dans toutes les institutions, je pense que le Congo serait déjà développé. Pourquoi Nanobiango? La localité de Kalembe venait d'être récupérée sous le contrôle de Wazalendo. Et Kagame a sali déclaration. A lobié que yé akobunda ko continue combat na ye jusqu'à ce que azwa mabele ya Congo. Mabele ya Congo, oyo Kagame a sali la déclaration na Benin. A lobié que azali na mabele na ye zala Congo et singeli ba pesa ye mabele na ye. Moi je me demande tant que Kagame ala la kana mwasi na ye chambre moko tant que Kagame ala la kana mwasi na ye chambre moko est-ce que Kagame ayeba kayeke azali atana 1 mètre carré na Kongote tant que Kagame ala la kana mwasi na ye chambre moko est-ce que Kagame ayeba kayeke azali atana 1 km carré te na Kongo. Leloyo, le wazalendo, bazali ko continue, la résistance, bazo ko attaque na ba ligne nyonso ya front, le wazalendo, bazali ko attaque na ba stratégie nyonso, oyoyo, M23 zali ko tia, bazali ko attaque na ba zone, o bazali ko kipe, bazali ko kende, yango omoni ba wazalendo ba kei ba récupérer localité ya nini ya Kalembe, izangi si Kagame kimia, Kagame azangi kimia, Kagame c'est comme si a perdre bokonzi. Lorsque ayoki ke le M23 ba cédé localité ya Kalembe, ba wazalendo ba récupérer angona FRDC, Kagame azangi kimia. Mais eloko ni etindi Kagame azanga kimia. Landa s'il vous plaît. Kagame a une stratégie. Quelle est la stratégie? Depuis l'époque coloniale, il y a eu des Rwandais oyo ba katisa na Congo. O ba bengaka pour la cause ya main d'œuvre. Les colons à l'époque coloniale bazalaka na besoin ya main d'œuvre parce que congolais a muta lo fundo, congolais a muta lo lendo, congolais a muta litundu musala ya mike ezangati na congolais nga osala te. Alors les Rwandais bazaki na bitide ya kuboko la bangombe ya kosala ba pâturage et sala élevage et consort. C'est comme ça que l'homme blanc azwa bango ba ya ba banda kosala na montagne wa ya Fizi bazo sala na Nord Kivu partout. Tango mundele ya kei, atika, oba benga kaba Nyarwanda. Oba ngumoko ba misala pe ba benga kaba Nyamulenge, ba ya ba vanda wana. Ba kota na ba institution, ba kota na administration, ba kenda ba mata niveau. Seulement, na kolobate, na bombi yango. Alors, au moment où tout ça koloba, nous avons des infiltrés partout. Nous avons des infiltrés partout. Kagame a lobi ke, loko la ba Nyamulenge baza na Congo. Loko la ba FDLR baza na Congo. Mwaye ba zonga lusu kune ezate. E sengel ba lukele bango mabele na Congo. Ba pesa bango. Alors ba zone oyoyo mese nanga. Ba zone oyoyo bazali ko okipe. Tozui Bunagana. Tozui Kichanga. Tozui Rubaya. Tozui je sais pas moi. Ba lokalite baza ko okipe. Ba zui ango. Baza ko linga. Ba pesa ango ba nani. Ba Nyamulenge. Bape sango ba nani, ba Nyarwanda. Bape sango ba nani, ba FDLR. Comme ça, Kagame, atikala na Rwanda, et koma lukwa royaume na ye. C'est ça, en fait, la stratégie. Lorsque Kagame a sa la déclaration, que peu importe que les FRDC, na ba, ba Wazalendo, ba récupéré localité ya Kalembe, ya za ko continue combat, jusqu'à ce que a conservé, ba espace oyoyo, ba M23 ba récupéré, vous pensez que c'est pourquoi? Et zali pona, koluka ko zwa biloko wana azongisa yango apesa bato ya bengana na Rwanda oyo bakoyi ko zonga te comme ça ba FDLR oyo ba benga kana ba M23 bakoya lisusu ba vanda wana
Rwanda etikala ye na mwana na ye na bana na ye na mwasi na ye basala o babingaka royaume di Rwanda ya Mese Kagame mas kabisi est-ce que na koyi ko mela mai En tout cas, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Kagame déclaration à Sali, Congolais Kozoango na aventure. Ne prenez pas à la légère. Voilà pourquoi Charles Onana. Charles Onana a benga ki ba Congolais na vigilance. Charles Onana a appelé les Congolais à la vigilance. Charles Onana a appelé les Congolais à la prudence. Charles Onana a appelé les Congolais à la vigilance. Face à la politique des expansionnistes. Charles Onana a appelé, nous a appelé, Charles Onana nous a exhorté d'être vigilants, d'être prudents. Parce que M. Kagame n'a pas cédé avec son projet de chercher à balkaniser notre pays. Parce que M. Kagame n'a pas abandonné ses ambitions expansionnistes de faire plaisir aux multinationales. M. Kagame n'a pas abandonné ses ambitions de chercher à occuper illégalement, à violer les principes de l'autorité, de l'indépendance et de l'intégrité de la République démocratique du Congo. M. Kagame n'a pas abandonné l'idée d'occuper illégalement et de violer la République démocratique du Congo. M. Kagame n'a pas abandonné, bref, la surexploitation de matières premières de la République démocratique du Congo dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais également à continuer avec ses ambitions d'obtenir la balkanisation sur le sol congolais. Bravo à Charles Onana. Nous avons dit la fois passée que nous sommes en train de soutenir Charles Onana. Parce que Charles Onana est victime d'avoir révélé à la face du monde l'hypocrisie, la tuerie, la violence, la mauvaise politique, ce qu'on appelle l'apologie génocidaire de M. Kagame, ainsi que tous ces gens-là qui sont en train de le soutenir. Voilà pourquoi nous sommes en train de soutenir M. Charles Onana. C'est l'unité à l'africaine. Charles Onana, c'était Bantou. Il ne peut que normal soutenir ses confrères Bantou congolais, un Bantou camerounais, avec un Bantou congolais. Mais ils sont tous ensemble. Mais ce Kagame, c'est un nilotique. Mais ce Kagame est venu dans le Nil, vers le fleuve Nil, qu'ils sont venus s'installer vers la corne de la République démocratique du Congo. Et lorsque Charles Onana est en train de soutenir la République démocratique du Congo en dénonçant l'apologie de ce qu'on appelle des génocidaires, des tueurs, des massacreurs, des vampires, mais également des terroristes rwandais à la tête de M. Kagame. Ça veut dire que nous, peuple congolais, nous devons qu'accompagner Charles Onana dans ce procès illogique et un procès machiavélique que les Occidentaux et tous ces gens-là cherchent à torturer sur la présence de M. Charles Onana. Kagame a oublié que peu importe bah M23 bah céder localité à Kalembe yé a ko cédé yé a toujours ko continuer combat bon comprendre en aussi que le processus ya Luanda moyen est avancé exacté processus ya Luanda moyen Kagame a signé ngo exacté na yé bisarabino awa je nous dis ici que nous devons être vigilants parce que l'ennemi ne dort pas. Parce que l'ennemi n'est pas distrait. L'ennemi, jusqu'à ce qu'il va obtenir ce qu'il veut, n'y a qu'au Joachimia. Le Rwanda qui a une superficie de moins de 30 000 km². Lorsque le Rwanda est en train d'apprendre que le Congo a une superficie de 2 345 410 km². Un avion, lorsque ça quitte le territoire rwandais, dans moins de 2 minutes, cet avion est en dehors du territoire congolais. Mais lorsqu'un avion quitte l'aéroport de Ndjili vers Lubumbashi, cet avion, dans 2 minutes, dans 10 minutes, dans 20 minutes, dans 30 minutes, dans une heure, pendant 2 heures, pendant 2h40, voire même pendant 3 heures, cet avion tourne toujours autour, est encore dans les territoires congolais.
Mais c'est contrairement à un avion qui peut décoller de l'aéroport de Kigali. Dans moins de 10 minutes, cet avion est déjà dans un autre pays. Est déjà soit en Tanzanie, soit au Burundi, soit vers le Kenya, soit en République démocratique du Congo. Mais lorsqu'un avion quitte Kinshasa vers Goma, nous allons faire 2h40, 2h20. Tozalika Kalikolo. Regardez comment Dieu a béni ce pays. Dieu a béni ce pays dans le sens même que la durée, il y a un avion Likolo, il y a un moment qui a été fait. Kagame a continué toujours comme ça dans la déclaration. Pour yon, tant que vous avez un FARDC à récupérer, et là, vous avez un Mabele ya Congo, oyoyo, ba M23, ba contrôla ki yango, Kagame a ouzana kimiate. Alors, tiki langa na commentaire, chers compatriotes, na linga mingi, tango bo commentaka, ba injurité, les injures sont parmi les antivalaires, oyo biso, tous allez ko soutenir te. Nous sommes de la génération où, lorsque vous nous insultez, nous vous répondons, donc par le silence. Lorsque vous nous insultez, nous ne vous répondons pas comme des imbéciles. Nous ne vous répondons pas comme les cafards, mais nous vous répondons dans le silence. Parce que les injures, les critiques négatives, la jalousie, la méchanceté, la vengeance n'est pas de notre monde. Nous sommes une génération florissante. Nous sommes une génération qui monte avec l'amour de Dieu, avec la grandeur, mais également avec des projets très ambitieux afin de changer notre pays. Nous ne sommes pas de cette génération qui court derrière les matériels. Voilà les propos de M. Kagame. Et nous pensons que l'autorité bah, d'abysse compétente, il y a service, il y a sécurité, bah, soldat d'abysse, il y a FARDC, il y a Wazalendo, il y a service de renseignement militaire, base à la débout. Pambate, Munguna, à l'alité. De la même manière, ndenge to récupérer localité à Kalembe, to fixer objectif Moussousou, pour la Rouluka, ndenge nini, to koui ko récupérer ba Bengaka, Bunagana, Kichanga, na cité Oezali, Yaruba, ya place Oyoyo, Messie Mwanga Chuchu, Azwa Kiango Lokola, Royaume Inaye. Chers compatriotes, na yebisa kibino que la République démocratique du Congo toko bonga be soki tozali na misolo. Poto koma na misolo et sengel na biso to sala. La Chine, lorsque la Chine a banni Moussala, Chine pose au développement après la Deuxième Guerre mondiale. Le niveau de développement humain, le niveau de développement de la République démocratique du Congo, le niveau de développement d'un Congolais dépassé à un Chinois d'une province. Est-ce que je me fais comprendre? Tango, Tolongwe, la Deuxième Guerre mondiale, 40-45, États-Unis a eu à frapper Allemagne, nazi et consort, Azui suprématie à grande puissance. Les Nations Unies, ma vani, ma sololi, ma le mec, plus jamais, ma kamouya guerre mondiale et gozali susouté. Troisième guerre mondiale et gozalate, basali ONI, basali PNUD, basali CCNICC, Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, basali PENUE, Programme des Nations Unies pour l'environnement, basali OSHA, basali HCR, basali UNICEF, basali UNESCO, bref, basali OBABENGAKA. Ensemble, ba organisme na katia Nations Unies. Pendant que luka ndenge nini batambu sa mokili. Mais le Congo ne va pas se développer soki toza la misolote. Mais misolo na biso poto zo yango esengeli na biso to sala bilanga. Esengeli na biso to sala bilanga. J'aime toujours lorsque notre boss le DG Stéphane Balamwangi alobaka makambo ya agriculture. Esengeli to sala bilanga. Nalinga mingi DG Stéphane Balamwangi, les journalistes attitrés nabenga bien aimé nanga dans le Seigneur. C'est mon bien aimé, oui, c'est mon bien aimé, nous partageons la même foi. Tango beta ma solo ya bilanga ngai sala ngai bien parce que nous avons ce qu'on appelle les secteurs porteurs de croissance. Quels sont les secteurs porteurs de croissance? Nous avons l'agriculture, nous avons pêche, nous avons l'élevage, nous avons ce qu'on appelle, voire même le tourisme, nous avons tout ce, l'ensemble abiloko wana nyonso, ils arrivent à secteur porté de croissance. Un pays, Oyoyo, Azali, Maxi Kabese, pouvez nous aider s'il vous plaît. Un pays,
oya zali kotia mbongo na ye misolo na ye azali kotia yango na bilanga toye bakaye ke mboka wana ezali mboka ya avenir. Est-ce que je me fais comprendre? Mboka oyo azu mbongo to sali budget to zui par exemple 5 milliards de dollars ndenge to sala ka budget to zui yango to tia yango na bilanga to tia yango na agriculture to tia yango na pêche to tia yango na élevage to tia yango na tourisme secteur yango mususu nini to tia yango na transport to tia yango na ma secteur ebele to yeba kaye ke na hôtellerie na restauration to tia yango même na domaine ya sport. Les sports se parmi aussi ma secteur porté de croissance. Tous ça ma équipe le roi Lelo à Barcelone, ma Real de Madrid, ma Paris Saint-Germain, mais c'est ce qu'on appelle dans la nouvelle croissance économique, ne ba benga ma nouveau terme. Il y a croissance économique ba benga les transferts des économies, les transferts des capitaux. Tous ali ko transférer économie na biso. To longoli yango na économie extraverti. To longwa na ko dépendre na ba minerai. Ça veut dire que soki Congo to te ki matière première te soki to te ki cobalt te to te ki diamant to te ki nzete te Congo to mobiliser ba mbongo te pour to sala budget. Or to koki ko te ka ba cobalt mama fifi masuka ona bengaka mwasi pe moto akoki ko sunga pe mboka to te ki ba cobalt to zu mbongo wana to zu yango to lobite to zo tonga ba stade na biso municipal. Tout bien ministre de sport, papa Yaka, ça la politique y a bien y a sport na mboka la biso. Na taekwondo, na football, na karaté, ba arts martiaux, ensemble la biloko wana nyonso, basket, judo, to su biloko wana nyonso, to koti si yango na makambo itali ba discipline, to tio serye, to komi ko kende ko participe na ba compétition internationale, to komi ko luka ko organise ba compétition na chaque saison et pas la biso. To komi ko teka ba joueur, to komi ko teka ba basketteur, to komi ko teka, to komi ko salisa. Sachez-le que mboka na biso kende déjà vers le monde. Un joueur Paul Longwa PSG, aya Real de Madrid. Kylian Mbappé, Paul Longwa comment on appelle ça PSG, aya Real de Madrid. Il a fallu des millions pour EA. Messi Paul Longwa Barcelone, même attaque kenda ki gratuit, mais ezali na ba mbongo o itambola. Et le football aujourd'hui génère beaucoup d'argent. Les sports également. Mais quelle est la politique y a sport dans le monde? Tout le monde a domaine y a sport. Tout le monde a domaine y a hôtellerie. Les Congo, tout le peuvent contribuer à la croissance économique y a mon cannabis. Seulement à travers la construction des hôtels. Seulement à travers une bonne politique y a hôtellerie. Ce qui est le cas hôtel, il y a quoi? Béatrice Hôtel. Tout le hôtel Léon. Tout le hôtel Léon. Tout le ba hôtel loko la ba Pullman to zu ba fleuve Congo n'est-ce pas to zu loko la ba hôtel les a ebelé to zu loko la ba comment on appelle ba Hilton hôtel et tonga mi bongo na Kinshasa to za atana 50 ou bien 100 hôtels 200 hôtels ya modèle 1 to zu na Lubumbashi to zu na Goma partout et ça va attirer ce qu'on appelle les touristes. Ça va attirer les touristes to za na ma grand restaurant. Ça va attirer les touristes. Motoza na Ghana ebike non na ki ou passer ba séjour na na Congo mbongo yokota na secteur ya tourisme to aménager ba site touristique na biso déjà Congo mobimba Congo comment na ka ndenge to zala ka bwisa ka ba site touristique. Comment Congo za ka site touristique yo longwa ka parti aéroport ozoko kende vert ozoko kende sele ozoko kende maloku mais espace vert wana mais ils a déjà site touristique to kende na Goma n'en parlons pas. Na ba Nyiragongo, na ba montagne wana. Pourquoi Kagame aza ko lula ba espace wana? C'est parce qu'il y a yebike ezali ba espace auto ko ko sale la ngombongo. Wana to un domaine touristique, to longwa na domaine ya hôtelier, to ko na domaine touristique. To est-ce qu'on a domaine agricole? To bani ko sala bilanga, chers compatriotes. To sali bukanga lozo awa. Mais masangu ya Congo, congolais aliaki yango te. Masangu ya Congo mutalia ki yango ezali sud-africain. Masangu ya boba salaka na Congo mutalia ki yango ezali Burkinabe. Masangu ya Congo mutalia ki yango ezali Zambia. Chose grave to longwa awawa to kenda na Afrique du Sud ko luka masangu. Délégation mobimba les gens sont rentrés masangu e monana te. Bazongi na mbadi na mbongo na maboko. Mais mbongo wana bazonga ka nango. On pouvait facilement orienter on na domaine ya agriculture. Le Congo tozali na 80 millions d'hectares de terres arables.
Et ça, il y a recherche, moi, dans ça, que l'on a mis en colo. Est-ce que réellement, Congo, tu as 80 millions de terres arabes? Parce que de l'autre, il y a un espace où on a mis en somba déjà. Oh non, l'Indien, il y a un Libanais, il y a un somba, l'Américain, il y a un place où il y a parce que les alliés bloquent pétrolier, place où il y a un pétrole, les awa, place où il y a un uranium, les awa, place où il y a un diamant, les awa. Mais finalement, ce qu'il y a, il y a un Congolais, les awa. Il y a des choses, ça doit commencer à nous énerver et à nous révolter. Tout réclamer biloko wana. Tout sali bilanga. Ce qui te komi kaka, komanda ko produit, ça qui moko kaka ya semoule. Tout zote kango na valeur kaka ya 20 dollars, ça qui a semoule. Même tu tiens 10 dollars ou bien 20 dollars. Ce qui te zo produit ba millions de millions ou bien ba milliers de tonnes, ya semoule. Mais nous allons nourrir toute l'Afrique. Nous allons nourrir même le Rwanda. Nous allons nourrir la Tanzanie. Nous allons nourrir la Zambie. Nous allons nourrir les Sud-Africains. Nous allons nourrir les Éthiopiens. Bakoya o et pas na biso bakobanda koya ko somba biloko ao. To longwa to koti na domaine o ezali ya pêche et élevage. To bandi ko bokola kaka ba meme. To bandi ko bokola kaka ba ngombe. To zo bokola kaka ba mpate. To zo moko to bokola ba ngulu. Na mboka baboko la biloko wana max kabese na ebite soki na mbujima epeza la bongo na mboka neti pa na ngai na territoire ya Bujala baboko la ngulu basela la gaye babengaka fermeté ngulu azokola na bato esika moko ngulu azokola na bato esika moko ntabazo kola na bato esika moko soso azokola na bato esika moko soso ayebi ke na bimaka tongo na zonga na pokwa ngulu ayebi ke na atana ke na suka mboka ngai epa na biso eza epa na bamara. Taba ebi ke nga tana kotiza manake ko luka pondu. Ifo na ya kulala. Place oyo tabako laka. Abunga kaya ngote. Place oyo soso ya kulaka. Soki poko wa ekomi. Soso wa zunga haka nandako. Ça veut dire que nous sommes déjà un pays. Naturellement toko yiko boko la biloko wana. Mais tozo pesa attention na biso. Na ba minere na ba distraction. Le bidye o baza ko sala. To tia yango na élevage. To tia yango na pêche. Bambisi na Congo. Ezako bota mambisi na Congo. Tala munganza, tala mungusu, tala mboto, tala mabongo, tala ngolo, ebotami, ekufi, bandekole yusu bambisi, balie yeli susu. Me kongole aza kukufa nzala. Me kongole aza nye loko akulia. Tozo prefere toke negosomba bashesha na Namibi. Toke ina mbongo, mbongo yusungi. Na yoke ke Fati Beton, ba bateau de pêche, eza kukuta Egypte, eza kuya. Eko zala pour la première fois. Peut-être pour la deuxième fois, la histoire politique, il y a mboka la biso, Max KBC, Ali Ambisi, Oyo, ba lobby yango na fleuve Congo. To zui mbongo, to kei ko tonga ba immeuble na fleuve Congo. Mais to bosani ko somba ba bato, po to bimisa ba mbisi o ba zana fleuve Congo, to le isa ba Congole. Est-ce que nazo se faire comprendre? Nous avons pris de l'argent. Et nous sommes allés construire, malgré les risques de disparition ou d'engloutissement, il y a un immeuble dans le fleuve Congo. Nous sommes allés investir dans le domaine de l'immobilier, au bord du fleuve. Mais nous n'avons pas la capacité, de prendre ce même argent et de l'investir dans le secteur de la pêcherie et afin de nourrir les Congolais. Tozui mbongo, toke to tongi ba immeuble, so oke na hotel fleuve Congo, au moins na banda kwa kitoko, o kanza se comme ici, awa wa place Obama avandaka, awa place Macron avandaka, o kanza place Ange avandaka, awa wa. Ou bien so ki Yesu Masia, nenga ya ko visite peuple la ye, avandaka la fleuve Congo. Mais to bosani ko zwa mbongo wana, to tia yango, na kati ya peche, to zwa bambi seza la fleuve Congo, to le isa Congole. Si yo la la na fleuve Congo, na kati ya mai wana na fleuve Congo mbi sezali. Par là, je voulais vous amener en quoi? Ça veut dire que même entreprise publique paye et koki ko contribuer na développement ya mboka. Et c'est comme ça que je vous avais annoncé ici qu'il y avait une très bonne nouvelle pour la compagnie nationale Congo Airways et les agents de cette compagnie. Le 7 novembre, cette compagnie, sous la vision du chef de l'État, sous le leadership éclairé et orthodoxe, notamment de la gestion de la République par le président de la République, la haute autorité des références politiques, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État a dit
qui ne voudrait pas voir la disparition de Congo Airways. Le président de la République ne devait pas voir Congo Airways disparaître. C'est comme ça que, à travers le ministre en tutelle, ainsi que son secteur d'évolution, le président de la République, lors d'un conseil des ministres, le chef de l'État a ordonné, à partir de certains partenaires, que l'un des partenaires qui sont membres des présidences des conseils d'administration de pouvoir prendre la situation de Congo Airways en main. Et les choix étaient tombés sur la Caisse nationale de sécurité sociale, INSS à l'époque, aujourd'hui la CNSS. Cette entreprise de l'État ou cet établissement de l'État public a décidé alors d'accompagner cette compagnie de Congo Airways en sortant d'abord une enveloppe de plus de 50 millions. Cet argent devait être mal géré par le directeur qui vient d'être déchu de ses fonctions, M. Dibia. Et en dehors de cela, la compagnie nationale Congo Airways, après avoir obtenu sa nomination, le fils maison, que j'appelle le fils de la promesse pour la relance de Congo Airways, le directeur général adjoint intérim Norbert Sengamale, qui s'est dit prêt de voir la redynamisation, la relance et le relève de cette compagnie, qui a trouvé les possibilités, notamment de voyager. Au moment où nous sommes en train de dire, il est en mission de service, où ils sont allés négocier les avions, mais également les moteurs pour Congo Airways, afin que cette compagnie soit relancée. Depuis la création de cette compagnie, tous les DG qui sont passés, le directeur adjoint intérim Norbert Sengamale a travaillé aux côtés de ces DG comme directeur commercial. Ça veut dire qu'il a la maîtrise du service commercial. Du service commercial de cette compagnie. Le DG Sengamale Norbert, le fils maison, a dit qu'il est prêt de relever les défis de cette compagnie. Le 7 novembre, Congo Airways va recevoir son premier avion. Et le 10 novembre, il va recevoir son deuxième avion. Il y a un Airbus A319 qui va arriver. Et le 10 ou bien le 8 au 10 novembre prochain, Congo Airways va recevoir alors un Boeing 737-800 qui viendra pour aider le peuple congolais à se déplacer en toute sécurité. Cette compagnie qui est membre de IATA ainsi que de IOSA ne peut pas disparaître aux yeux de tout le peuple congolais. Les chefs de l'État étaient déterminés de relancer cette compagnie. Mais malheureusement pour cette compagnie, les anciens directeurs généraux de cette compagnie, ceux qui ont travaillé lorsque Tshisekedi a pris les commandes de la République, n'ont pas compris la vision du chef de l'État. Lorsque le chef de l'État avait annoncé que Congo Airways devrait recevoir les avions, ça veut dire qu'il y avait déjà un mémorandum d'attente pour l'accréditation ou alors les achats des avions de cette compagnie. Ça veut dire que Tshisekedi, Alinga Kaza, la deuxième président après Mobutu, il a qu'à recevoir les avions tout neufs. Le Airbus, les ATA, ainsi que les Embraer qui ont été fabriqués à niveau du Brésil. Mbongo oyo batia na compagnie wana et kenda wapi. Je pense qu'avec l'arrivée du nouveau directeur général, donc vous avez éclaircissement par rapport à cet argent. Voilà pourquoi ici, nous voulons mettre en garde. Nous voulons mettre en garde toute personne mal intentionnée, en perte de vitesse politique, cherchant comment dissoudre et étouffer la volonté du chef de l'État afin de relancer Congo Airways. Parce qu'il y a des gens, des sorciers, qui ne veulent pas voir Congo Airways être relancé. Il y a des sorciers qui ne veulent pas voir que cette compagnie soit debout. Mais le chef de l'État a dit, moi je suis un enfant de Dieu, vous allez me combattre, vous n'allez pas me réussir. Et le nouveau directeur général est en train de travailler selon les prescriptions et mais selon également la vision du chef de l'État. Dans les mois prochains, Congo Airways va recevoir les avions. Les deux monteurs d'un autre avion qu'on appelle l'IMA Informe, d'un autre Airbus, vont aller pour être réparé en attendant qu'on puisse louer deux autres moteurs, revenir et commencer à travailler en attendant que d'autres moteurs puissent partir et puis revenir. Ça veut dire que Congo Airways, d'ici janvier ou d'ici fin de l'année, Congo Airways va alors revenir en force. Voilà pourquoi
nous sommes en train de soutenir le nouveau directeur général adit intérim, Norbert Sengamal. Nous lui disons que et le peuple congolais ainsi que l'ensemble des agents et cadres de cette compagnie, nous sommes en train de les soutenir et à fond de pouvoir relancer cette compagnie. Un grand pays, une grande nation comme la nôtre, nous ne pouvons pas manquer une compagnie d'aviation. Si nous manquons une compagnie d'aviation, alors c'est une honte pour nous. C'est une honte pour nous. Voilà pourquoi il est toujours important de prendre un fils de maison, de les relever et afin d'aller de l'avant. Le directeur général n'a trouvé même pas un seul dollar dans les comptes de Congo Airways. Le DG qui vient de passer, où est-ce qu'il a tout, il a laissé l'argent du compte de Congo Airways? Est-ce que ce monsieur peut nous dire que Congo Airways n'avait même pas un 10 dollars dans les comptes? Chers compatriotes, regardez comment on est en train de détruire la République. Regardez comment on est en train de tirer la République vers le bas. Une compagnie nationale dont la faillite n'a pas encore été déclarée. Mais le DG est remplacé, il est nommé. Mais il ne trouve même pas un seul dollar dans les comptes de Congo Airways. Pendant ce temps, la Caisse nationale de sécurité sociale avait décidé notamment d'accompagner cette compagnie. Tozali Kopé Sabon Mambo Konabiso et pas le nouveau directeur général Norbert Sengamali, Oyo Yazali fils maison. Et nous pensons que le chef de l'État va les soutenir et nous pensons que ses ambitions, sa volonté de redynamiser, de relancer cette compagnie et vous allez malam pour le peuple congolais va voyager en toute sécurité. Sombele Sukabisanga, Bolobo Sukengbele, na pesibinombo te bisikanyo so bozaki libaku, ya kulanda biso, na pesimbo te nanga e pa na mama Sophie Kiboba, na pesimbo te nanga e pa na mama Dipo Isabe, wana ezaba mama na ngai. Ba mama na ngai ya marabo bola bango wana na ko pesa mbote. Yo peso ko lingi, to pesa yo mbote. Kubo salate, ku kontakte biso na numero ezali na tango koki. Alors, na ko zwabino na mikolo o ezali koya pour na ko solola makambo Italie République et à la prochaine. DJ Stéphane Bala Mwangi Congo ya Lumumba Congo Tafachi beton Tangwe koki yo 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 Tangwa ngoya ngoyo e koki Tolanda kango Papa Stéphane Bala Mwangi Oyeye oh, yeah, yeah.